Vous ne pouvez pas habiter la ville de Yaoundé et travailler à Bafia. Vous ne pouvez pas. C'est sur un temps ferme que le délégué régional du tourisme s'est adressé à ses collaborateurs des délégations départementales. Et pour cause, certains sont passés maîtres dans l'art de déserter les bureaux au point d'entraîner le personnel placé sous leur responsabilité dans cette position inconfortable. Il y en a qui travaillent à Nanda et Boko, qui habitent à Mamayo. C'est-à-dire qu'ils travaillent même à Yaoundé, pas à Mamayo. Vous croyez que c'est possible? Parce que vous avez fait deux allers-retours, c'est plus cher que d'aller tranquillement prendre une chambre à Nanga et Boko et séjourner. Les gens sont contents quand on les nomme. Mais après deux, trois jours, ils se rendent compte que c'est la mort. Quand on leur a donné un cadeau, mais empoisonné. Ça ne devrait pas être ça. L'heure est donc à la remobilisation des énergies et à la prise de conscience collective des uns et des autres. Les défis à relever sont si nombreux que le temps n'est plus au tâtonnement et autres égarements. Parce qu'on note sur le terrain un réel problème lié à la discipline. Notamment le non-respect de la hiérarchie, le manque d'assiduité et de ponctualité. Il est question qu'une fois retourné sur le terrain, que nous puissions insister là-dessus, sensibiliser nos collaborateurs pour que l'ordre revienne, conformément aux instructions du ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. Heureusement que malgré ce sombre tableau, l'industrie touristique, bien que frappée de plein fouet par la Covid, tente de sortir la tête de l'eau. Sur le plan touristique, Douma Mekim se porte très bien, surtout à la faveur des travaux routiers sur la nationale numéro 15. On fait en sorte que Douma Mekim soit un département aujourd'hui ouvert. Donc nous accueillons des touristes et il faut le dire, c'est un département qui regorge plusieurs sites écotouristiques, dont les emblématiques chutes de Natigal. Notre secteur a été beaucoup touché par la pandémie de la Covid. Nous essayons à notre niveau de sensibiliser les opérateurs. D'abord pour ce qui est du respect des mesures barrières. Et également, nous essayons de les encourager. On leur demande de tenir bon parce que beaucoup veulent déjà jeter l'éponge. On leur dit non. Autour du délégué régional, les 10 délégués départementaux ainsi que les chefs de service ont peaufiné les stratégies de développement de leur secteur à moins d'un an de la CAN que le Cameroun va abriter. C'est très important pour nous d'être prêts, d'être mobilisé, de faire triompher le tourisme dans notre région. Déjà, il faut être discipliné, il faut se mettre en ordre de bataille, il faut venir au travail à l'heure et faire ce qu'on doit faire quand on est au travail. Vous savez que la région du centre a ceci de particulier que c'est une région qui a 10 départements. Donc, elle est vaste et il y a beaucoup à faire là-dedans. Dans un environnement difficile, marqué par une crise sanitaire aiguë, elle-même source d'instabilité économique, la région du centre n'entend pas se laisser faire. Le secteur du tourisme et des loisirs joue la carte de la résistance face à une pandémie menaçante.